C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler du Sir Deck de Liam Montier. C'est un jeu un peu en mode Mastermind Alcorane, mais très intelligemment truqué, qui utilise des principes que je n'avais jamais vu avant utiliser pour celui-là. Voilà, on y va, c'est parti. Alors comme je l'ai dit, le Sir Deck, ça va vous permettre, en gros, de forcer une carte à des spectateurs en donnant l'impression qu'ils avaient le choix complètement libre, mais en restreignant leur choix, en restreignant, avec un choix restreint, ils vont pouvoir choisir parmi une ou deux cartes de chaque couleur, rouge et noir, grâce à vos talents psychiques. Le Sir Deck est vendu au prix de 29,90€, c'est disponible sur Big Magie, vous l'avez compris. Un petit bon de réduction de 10% sur votre première commande. Si pendant votre inscription vous avez entré le code parrain qui est dans la description, ça me permet de vous parrainer, ça me fait des avantages en retour. Alors le packaging est très similaire à celui du 50-to-1 deck, hein, à l'intérieur un petit papier, donc niveau plastique c'est exactement la même chose. Vous avez également une vidéo explicative qui est donnée à l'intérieur, la vidéo est très bien faite. D'ailleurs pour ceux qui veulent, j'ai fait une vidéo explicative en français pour les acheteurs de Big Magie pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du jeu et puis pour vous donner quelques billes, hein, ça n'a pas vocation à se substituer à la vidéo originale mais ça pourra vous donner des explications. Et puis c'est mieux que rien, hein, on va dire. Et puis si j'arrive à ouvrir le packaging, yes, allez c'est parti. Le petit papier qui sert de petite couverture ici, vous pouvez l'ouvrir en mode super grand et à l'intérieur vous avez pas mal d'explications à l'écrit en anglais qui sont assez compréhensibles si vous parlez un tout petit peu anglais, qui vont vous donner des billes pour utiliser votre jeu. Vous avez également le jeu est fourni complet, vous avez également même des cartes pour utiliser les reveals. Je vais pas pouvoir vous faire de routine, je suis désolé Alexis, bouh, cachot. Mais en gros, pardon, c'est un jeu que vous pouvez montrer vraiment tranquille, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même faire passer les cartes comme ça, il n'y a vraiment pas de souci. Hein, c'est vraiment un jeu complètement classique, normal, je vois pas de quoi vous parler. Et évidemment, quand vous allez demander au spectateur de penser à une carte parmi... Imaginez, penser à une carte noire parmi celles-là. Ok, c'est bon. Tenez, regardez. Oh mon dieu, j'avais pas... Attends, évidemment, comme un con. J'avais pas de joker ici. Ah bon? Et c'est quoi que j'ai ici? Mon dieu, le 7 de pique. Et voilà. Voilà, je fais la démonstration et l'unboxing dans la même partie. Mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce jeu. Vous pouvez faire bien plus, évidemment. Là, c'est une routine bâclée. D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous... J'aurais pu sortir le 10 de trèfle autrement, mais vous n'étiez pas en face de moi pour que je puisse un peu lire vos mouvements, vos trucs, pour savoir que vous aviez choisi le 10 de trèfle. Du coup, voilà, peut-être ceux qui ont vu le 17 de pique, ils vont être impressionnés. Ils vont en parler à leur mère. Ils vont dire, Alexis, il est super fort, viens en langage. Et oui, parce qu'il est pro aussi. Il fait des super enterrements de vie de garçon, mariage, il fait des trucs privés pour les gens, baptême, soirée CE, tout ça, on peut l'appeler pour l'embaucher. Ouais, il pourrait se dire ça, quoi. Bref, 29,90€, le jeu est bien fait, l'idée elle est bonne, vous avez énormément de place pour les révélations, et ça j'adore. Bref, vous avez même une vidéo explicative en français par votre serviteur. Du coup, franchement, le prix est relativement abordable pour un jeu aussi complet qui va vous permettre de faire pas mal de choses. Je pense qu'on a fait la petite démonstration dans la partie unboxing, du coup on passe à la prochaine partie. Voilà, c'était un segment vidéo qui ne voulait rien dire en fait, à part rien. Du coup on passe au point négatif. J'aime répéter quand c'est ce genre de jeu là, mais avec ce type de jeu, vous ne pourrez faire que ce type d'effet là. Évidemment, c'est un jeu qui est complètement truqué, vous pouvez quand même les entailler devant les gens, il n'y a pas de souci. Mais il est complètement truqué, vous ne pouvez pas faire signer de cartes, de faire d'ambitieuse, bref c'est un bordel. Du coup, faut vraiment penser que ce jeu ne va être utile qu'à faire ces effets là. Un petit peu comme pour le Mastermind Deck, vous avez un intervalle de cartes, si j'essaye de dire les choses correctement, auxquelles les gens peuvent penser. Du coup, c'est assez limité et c'est compliqué de le faire deux fois la même personne ou deux fois des personnes qui se connaissent, etc. Parce qu'ils vont dire « Ah, toi aussi, t'as pensé à cette carte-là, mais c'est bizarre, alors que... » Du coup, bof, bof. Allez, c'est parti pour les points positifs. Ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de présentations possibles, parce que grâce à la façon dont il est fabriqué, vous allez pouvoir très rapidement, en une ou deux questions, réussir à identifier la carte choisie. Ce qui est très intéressant, parce que derrière, vous avez, je crois, 6 ou 7 « out » entre guillemets,
Et vous pouvez vous débrouiller pour sortir la carte choisie, enfin pensée, parce qu'elle est vraiment pensée. Vous pouvez la sortir de votre poche, la sortir du portefeuille, l'avoir écrit derrière des jokers que vous avez sortis au préalable. Bref, faut se prémunir un petit peu de toutes les sorties possibles et être capable de réagir. Mais c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez adapter votre présentation et votre routine en fonction de ce que vous aimez. Si vous voulez avoir la carte tatouée sur le bras, vous pouvez avoir la carte tatouée sur le bras, c'est pas un problème. Comme je l'ai dit, l'intervalle de cartes auquel les gens peuvent penser est vraiment bien défini parce que vous allez pouvoir très rapidement identifier la carte à laquelle le spectateur a pensé. Le jeu, même s'il est truqué, je ne pense pas que ce soit problématique de le faire éventailler devant les gens comme ça. Parce que... Je pense que les gens, même les gens qui regarderaient le jeu comme ça, impossible de trouver quoi que ce soit. Il y a deux principes qui sont en jeu dans ce jeu-là, et en fait les deux principes s'annulent, parce que les spectateurs vont se dire « Ah mais attends, j'ai été limité dans mon choix », et après évidemment vous allez montrer les cartes, « Oh bah non, regarde, il n'y avait pas de... que tu dis 10 de trèfle, bah non, il n'y a pas de suite, t'aurais pu penser par exemple à la dame de pique, t'aurais pu penser au valet de carreau, t'aurais pu... Ouais, il n'y a pas... » Et tu vois, c'est un peu ces principes-là que j'aime bien quand ils sont associés, parce qu'ils s'annulent entre eux, et donc ça empêche le spectateur de se dire « Attends, mais il a fait comment, Michel, pour me faire penser à cette carte-là Attends, c'est pas possible, donc je vois pas. » Du coup, le Sire Deck est très intéressant. Alors, je sais pas s'il se rapproche d'un jeu Alcorane, je crois que c'était écrit... Sneaky Weapon, blablabla... Si, c'est ça. « This ingenious and padded version of the famous Koran deck is much more deceptive than its predecessor. » Voilà, du coup, c'est basé sur le jeu Alcorane. Mais il utilise un autre principe, hein, si tu vois ce que je veux dire, qui permet de faire pas mal de choses. Vous pouvez étaler les cartes sont normales, bref, très ingénieux, je ne l'utiliserai pas, mais très ingénieux, 3 cœurs. Niveau difficulté, il faut juste se rappeler d'une ou deux choses, mais il n'y a pas grande difficulté à faire l'effet, 2 étoiles. En produit similaire, vous avez le jeu Alcorane sous la forme du Mastermind, que j'aime beaucoup. Vous avez pas mal de... qui a été ressorti en Phoenix, qui glisse beaucoup mieux, je crois, parce que le jeu Bicycle était horrible, les cartes étaient de qualité horrible. Du coup, un peu compliqué, mais voilà, le Mastermind, c'est très ingénieux aussi. Voilà, la vidéo est terminée, le lien pour aller acheter mes tours est dans la description. N'hésitez pas à aller le voir, il y a des nouveautés ajoutées tout le temps. Vous pouvez également vous abonner à YouTube, Instagram et Facebook. Allez voir tous ces réseaux sociaux, j'y poste pas mal de choses. Et puis, merci aux tipeurs, ceux qui ont fait des dons, à la semaine prochaine. Bisous, bisous.